Salut à tous, c'est Alwin et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo les gars. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la réaction et bien réaction de nos visages, visage Alwin et visage de celui qui n'est plus parmi nous, Eden. Et c'est vrai qu'à l'époque, c'est vrai que il y avait pas mal de monde qui faisait des facecams sur nous et j'ai jamais fait des réactions. J'ai fait des réactions sur TikTok. N'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok qui s'affiche juste ici. Vous avez le lien aussi en description. Suivez-moi en masse sur TikTok. Il faut me suivre en masse, les gars, sur TikTok. Vous venez tous, vous débarquez tous sur TikTok. Donc aujourd'hui, on va réagir à toutes les vidéos qu'il y a eu. Et maintenant, bah, du coup, bah, moi j'ai montré ma tête. Hein, pour le coup, il n'y a que la salle qui n'a pas montré encore sa tête. Donc c'est parti. On va réagir. On va voir ce que ça donne. Et ça va être pas mal. Ça va être drôle. Let's go. La vidéo, c'est parti. Let's go. Unmin avant. Oh ouais. Ah, les petits malins. C'était vraiment des petits malins. Bon, ça, c'était une vidéo de quand même de 5 ans. Et pour le coup, il me semble qu'il y avait quelqu'un qui avait trouvé mon Facebook à l'époque. Wow, shit, la Paris Games Week 2015, les gars. Alors, pour le coup, on était vraiment bêtes. On était vraiment cons. Alors, on va faire une petite pause là. On était vraiment cons. Pourquoi cons? Parce qu'on a été à la Paris Games Week 2015. Mais c'était pour vous faire plaisir, vous voyez. On n'a jamais, on nous a jamais rencontrés. C'est la première fois qu'on rencontrait nos fans. Enfin, nos fans, bah, les babouins, quoi. C'est la première fois qu'on rencontrait nos babouins. Et du coup, c'était à la Paris Games Week 2015. Et nous, on n'avait pas pris de masque, tu vois. Genre, on avait pris des masques, mais on a vraiment été à l'arrache, tu vois. On a vraiment été à l'arrache. Et bah, du coup, pris de folie et tout. Il y avait trop de monde, en fait, qui était autour de nous. Vraiment beaucoup trop de monde. Et nous, bah, en fait, on signait. En fait, on n'a pas fait attention et tout. Et on était un peu bêtes. Et on a laissé ça comme ça. Et du coup, les gens, bah, s'amusaient à nous prendre en photo. Mais voilà. Bon, ça, c'est vrai que pour le coup, cette erreur, on l'avait fait. Mais il y avait très peu de personnes qui étaient au courant. Huawei, je me rappelle. Paris Games Week 2015, putain, c'était magnifique en vrai. La salle. Pour vous prouver qu'il n'est pas du fait qu'aller voir la vidéo de Moke et Shang Tsung dans la salle, il a les mêmes épaules. Alors, pour le coup, est-ce que c'est la salle ou pas? Eh bien, malheureusement, non, ce n'est pas la salle. C'est pas du tout lui. C'est pas du tout lui, mais bien tenté. Non, non, c'est pas lui du tout. De toute façon, il y a d'autres vidéos qu'on va voir après, vous allez voir. Mais en tout cas, non, c'est pas. Malheureusement, ce n'est pas lui. Let's go pour la deuxième vidéo, la facecam de la team La Salle plus Aiden Show No Fake. Ok, No Fake, apparemment, c'était à 5 ans. Hein. Alors, ça, je vous raconte, c'était une vidéo avec l'alien. On avait fait un challenge où en gros, on avait mis des bols. En fait, on savait pas ce qu'il y a dedans. Je sais plus, Watching Science. Je sais plus c'était quoi son challenge trop bizarre qu'il m'avait fait faire. Et Alien, il faisait ses montages tout seul à l'époque. À l'époque, c'était pas YouTube comme maintenant, j'arrivais pas à beaucoup de monteurs, etc. C'était un peu. C'était à l'époque, quoi, il y a 5 ans. YouTube, ça s'est développé en 5 ans. Et du coup, pour le coup, eh bien, il avait oublié de couper au montage. Et regardez ce qu'il a oublié de couper. Et oui, j'avais enlevé mon masque parce qu'il faisait chaud, je sais plus trop quoi, pourquoi. Et du coup, voilà, je me suis fait cramer comme ça. Alors, on passe à Aiden. Ouh, Aiden tire le chat. Et oui, alors là, c'était ma vidéo. À moi, pour le coup, c'était moi qui avais fait une erreur. J'ai pas fait attention parce que c'était vraiment une microseconde. Et en gros, malheureusement, j'ai envie de dire, dans une vidéo où j'offrais des cadeaux à son chat, j'avais offert des cadeaux à son chat, j'avais acheté des jouets ou je sais plus trop quoi à son chat. Alors, attendez, je vais mettre un peu de son. Non. Son chat il voulait même plus, il voulait pas de mon cadeau. Il bon là on voit pas ma tête, mais on voyait du coup bah voilà. Bah c'est pas je devine, tu sais déjà. J'avais acheté pas mal de petits trucs en vrai, j'avais acheté une souris, j'avais acheté des trucs, mais bien malheureusement le chat ne voulait pas de moi. Après y'a rien, je crois, d'intéressant. Non, c'est juste les cadeaux. Ouais, c'est juste des cadeaux, y'a rien d'intéressant. Voilà, ensuite on va passer à la salle. Donc la salle c'est le début de la vidéo. Hop, c'est parti, la salle. Là, hier, alors, on va couper. Ok. Alors, pour le coup, c'était. Là, pour le coup, c'est vraiment vrai. Là, pour le coup, il n'y a pas de fake, il n'y a pas de truc bizarre ou quoi. C'est vraiment son visage à lui. Voilà, ça, c'est la salle. Voilà. De toute façon, vous l'avez déjà vu. Fait des vidéos dessus. Et en gros, ça, c'est dans une de ses vidéos qui s'appelle La Salle No Fake où, en gros, il en avait un peu marre que tout le monde fasse des vidéos sur lui et tout. Et du coup, il avait fait un Instagram. Mais alors, malheureusement, son Instagram n'existe plus au jour d'aujourd'hui. Et du coup, voilà ces trois photos. Il y a que ces trois photos que vous pouvez retrouver sur Internet. Pas mal en vrai, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien. J'aime bien. Mais par contre, l'Instagram, comme j'ai dit, il n'existe plus maintenant. Donc ça sert à rien d'aller voir sur son Instagram. Il n'existe plus. Tous les Instagram que vous trouverez sur Instagram, ce sera des fakes. Il est sur TikTok et sur YouTube. Maintenant, il a tout coupé. Donc les autres, malheureusement, ce n'est pas existant. On va voir ce qu'il dit d'eau dans la vidéo. Donc rien d'intéressant. Je crois que c'est juste quand la salle y parle.
Après, c'est satisfaisant. Voilà, la salade était vraiment bon au BMX. Ok, on va passer à la troisième vidéo. Alors, c'est parti pour une autre vidéo. La salle le meilleur. Déjà, la chaîne elle s'appelle La salle le meilleur. Pourquoi? Il y a 6 ans, 39 000 vues. Alors, j'ai regardé un petit peu, mais en vrai de vrai. Donc, du coup, bah, ça c'est la photo qu'on avait déjà vue pour le coup. Boubou n'avait pas montré sa tête. Ils avaient cramé Boubou. Donc, ça c'est moi et Boubou. Il l'avait cramé, le petit Boubou. Et on va passer à la salle. Alors, la salle, qu'est-ce qu'il nous a fait pour la salle là? Qu'on rigole un peu. Ah! Alors là, il pense que c'est la salle avec sa Merco, parce que la salle avait acheté une Merco à l'époque. Et pour le coup, eh bien, ce n'est pas la salle. Malheureusement, et la salle, il est carrément plus baraqué que ça, je vous le dis, les gars. La salle, c'est. Ouais, Hulk, c'est Hulk, quoi. Hulk, c'est. En gros, Hulk, il est là. Il fait peur à la salle. Alors, celle-là, je me dois quand même de vous la montrer. Elle est épique. J'ai même pas les mots. J'ai même pas les mots. J'ai pas les mots. Il pense vraiment que c'est la salle. On sait pas si c'est vrai facecam ou pas. D'accord. Donc là, il pense que là, au milieu, c'est la salle. Je vous laisse réagir dans les commentaires parce que honnêtement, celle-là, elle est vraiment pas mal du tout. Elle est vraiment pas mal. Pour le coup, on va terminer sur la dernière vidéo. Cette fois-ci, c'est officiel, c'est sur la chaîne de La Salle. Voilà, il n'y a pas de fake, hein. La Salle, il y a 4 ans, 1 million de vues. Et du coup, eh bien, c'était sur cette chaîne. Bah, sur la chaîne là, en fait. Sur ce. Et du coup, c'était sur cet Instagram que La Salle avait posté ses 3 photos. Et voilà, c'est les seuls trucs que vous pouvez retrouver sur la salle actuellement. Malheureusement, il n'y a pas d'autre chose. En tout cas, dites-moi dans les commentaires. Bah, c'est vrai que c'est kiffant. En vrai, c'est trop kiffant. C'est trop kiffant de regarder les facecam, sachant que c'était réel. Et moi, je me rappelle qu'à l'époque, je savais pas quoi faire. En fait, j'étais, mais putain, mais je suis bête. Mais pour le coup, le truc de Facebook et tout, bon, en vrai, c'est chaud parce que je sais plus qui avait trouvé mon Facebook. Je crois qu'il y avait quelqu'un qui a dit qu'il avait trouvé mon prénom. Enfin bref, je sais plus trop exactement comment. Après, je veux pas dire pour le reste, pour ce qui est de la Paris Games Week 2015, ça, c'était vraiment, on n'avait vraiment pas fait du tout exprès parce que pour le coup, bah, c'était notre but, c'est de vous rencontrer vous, de vous faire plaisir. Tu vois, après que ça nous prenne en photo, que ça nous prenne pas en photo, bah, c'est ça, c'est comme ça. C'est, on a pris des risques. Nous, on voulait absolument vous voir, on voulait absolument vous rencontrer. C'était la première fois, les gars, première. C'était notre première Paris Games Week et c'était la première fois qu'on rencontrait des gens. Voilà, première fois. Bon, après, on a rencontré déjà des abonnés et tout à l'époque, genre bah, dans la rue ou quoi, ou des gens qui nous avaient reconnus comme ça avec nos voix, machin. Mais là, pour le coup, c'était officiel, c'était notre première rencontre. C'était d'ailleurs l'une des meilleures, mais pour moi, la meilleure, ça, c'est quand même celle que j'ai fait où j'avais vraiment montré ma tête et tout pour le coup. Ça faisait un peu bizarre. Mais en tout cas, voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous voulez qu'on fasse une partie 2 ou quoi, si vous voulez qu'on fasse autre chose. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur mon TikTok. On fait pas mal de trucs sur TikTok. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche. Sur ce, on se laisse là-dessus. Bonne vidéo. Enfin, bonne fin de vidéo. Ciao.